Pierre Persson, député de Paris, membre de la commission des finances, rapporteur de la mission sur les monnaies virtuelles, et accessoirement très actif parmi la communauté de l'Assemblée nationale sur ces sujets innovants, visionnaires dans l'approche. En tout cas, on partage des idées communes et on travaille ensemble en tant que Coin House avec différentes structures, que ce soit de l'État, des organismes de régulation, comme vous le savez peut-être, l'AMF, l'ACPR, l'organisme européen, l'ANSMA, ainsi que d'autres organismes, de façon au niveau européen, notamment en Suisse et au Luxembourg, de façon à nous positionner comme l'acteur de référence et de confiance pour les investissements dans les crypto-actifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous accueillons. Certains d'entre vous étaient venus en février quand nous avions annoncé les comptes premium, l'arrivée de nouveaux services, le rebranding de l'espace, en tout cas son nouvel aménagement et des services à valeur ajoutée qu'on a offerts. On compte maintenant plus d'une vingtaine de clients premium, plusieurs clients grands comptes, des clients internationaux qui nous ont rejoints. On est extrêmement fiers de cela. On a également lancé, et c'est une unicité en France, une solution pour les sociétés qui font des projets d'ICO, d'Initial Coin Offering, notamment en partenariat avec nos amis de Blockchain Partners qui sont présents ce soir, d'Avas également, ainsi que de PricewaterhouseCoopers. Nous proposons à des sociétés qui souhaitent faire des ICO de pouvoir, et qui sont validées par nous-mêmes, de pouvoir accéder à certains investisseurs à qui on peut proposer ces nouveaux cryptoactifs, ces nouvelles valeurs d'investissement. On conseille bien évidemment et on met en garde contre les risques parce que cela reste des placements risqués par définition. On est sur des sujets moins matures, plus innovants parfois, plus difficiles à expliquer et on reste nous dans notre rôle explicatif. Cela ne conviendra pas et cela ne convient pas à tous les types d'investisseurs. On le répète et on le martèle. Néanmoins, ce sont des valeurs intéressantes, il y a des placements intéressants à réaliser et c'est dans cet esprit-là que l'on s'inscrit. On réalise pour eux tout un tas d'autres services qu'on réalise également pour vous jusqu'à présent puisqu'on s'est rebrandé en Coin House pour offrir à la fois des nouveaux services, une nouvelle plateforme et encore plus puisque ce n'est pas que le début. Il y a un an, j'ai repris la tête de cette société, nous étions 6 collaborateurs, nous sommes 27. J'ai eu 3 calls aujourd'hui pour... alors 3 appels si je suis francophone. Avec des ingénieurs, des développeurs pour nous rejoindre dans l'équipe technique. On recrute dans l'équipe conformité, on recrute dans l'équipe marketing, on recrute dans les équipes de développement. Donc on sera prochainement, je pense, plus d'une quarantaine de personnes. Ce sont des emplois créés en France. Nous payons nos impôts en France. Je tiens à le dire parce que c'est important. On est dans un esprit où... travailler avec un acteur français, c'est aussi redonner du pouvoir d'achat, permettre à des jeunes de pouvoir accéder à un premier emploi. On n'a pas de discrimination et certainement pas, c'est un des éléments qui est le plus fort dans la société, à l'embauche et à la formation, puisque comme on est sur des nouveaux sujets, on a le plaisir de pouvoir aider des gens à être formés et à accéder à des emplois qualifiés et intéressants dans un univers aussi passionnant qu'est l'univers de la blockchain et des crypto-actifs. Nos nouveaux services, donc la nouvelle plateforme, vous allez pouvoir vous enregistrer et vous inscrire, c'est coinhouse.com/new. Vous y verrez 3 segments, une partie qui est la partie traditionnelle dans laquelle on a nettement amélioré notre interface qui datait de 2015. Et vous allez voir un système beaucoup plus évolutif, beaucoup plus riche en termes de fonctionnalités, en termes d'usage de moyens de paiement, en termes de sécurité de vos adresses. En termes de disponibilité dans des langues différentes, italien, français, anglais, progressivement allemand, espagnol, suivi d'une application mobile. Vous verrez également, autre service intéressant, une partie destinée aux entreprises et aux clients grands comptes. Donc là, on est plutôt dans un modèle qui permet d'adresser une clientèle que nous visions déjà, mais que nous commençons à adresser de façon beaucoup plus massive, qui sont des clients qui ont des montants à investir de l'ordre de 500 000 euros à 50 millions d'euros.
Donc on n'a pas encore les 50 millions d'euros, mais on a déjà des clients à plusieurs millions et dizaines de millions d'euros qui viennent nous voir, qui nous font confiance, notamment pour nos capacités à pouvoir les accompagner dans la compréhension et dans l'investissement, pour pouvoir retrouver de la liquidité de très grand volume sur les plateformes internationales, puisque comme vous le savez, les cryptoactifs que l'on vous vend sont des cryptoactifs que l'on possède. Nous ne sommes pas une place de marché, on ne met pas en face un vendeur et un acheteur. Ce qu'on vous vend, c'est ce qu'on a acheté. Alors on l'a acheté quasiment immédiatement au même moment où on vous le vend, et c'est pour ça qu'on est interfacé avec tout un tas de plateformes technologiques dans le monde, des grands fournisseurs, et c'est le cœur de notre technologie qui nous permet de trouver le meilleur prix et de vous, de vous distribuer ensuite ces cryptoactifs. Et pour ces personnes, comme on l'avait déjà expliqué la fois précédente, stocker plusieurs millions d'euros sur un NanoS ou pire sur une application mobile peut poser quelques petits problèmes, et ça en a déjà posé. Et c'est pour ça qu'on est en train de lancer un service de ce qu'on appelle custody en anglais, ou de dépositaire, dans lequel on va vous proposer la capacité de garder pour vous ces cryptos. Elles seront bien sûr accessibles, suivant un certain délai pour des questions de sécurité, délai qui courra entre moins de 24 heures jusqu'à 7 jours, selon le pricing et selon la disponibilité de nos services. Et bien évidemment, une sécurité absolue sur ces systèmes, une authentification de vous-même, de façon à éviter tout problème lié en fait à des malversations ou à des attaques quelconques. Ces services-là sont les plus demandés aujourd'hui dans le monde, puisque aujourd'hui, ce qui réfrène certains acteurs, et notamment des institutionnels, à justement être capable de pouvoir faire des placements dans les cryptoactifs, c'est la capacité de les gérer. Quand on gère 1, 2, 3 millions d'euros ou 500 000 euros, certes, ce sont des sommes colossales, on peut les perdre, ça peut être dramatique. Maintenant, quand on doit gérer 500 millions ou 1 milliard, les systèmes actuels ne permettent pas. Donc on est en train d'introduire ces solutions, qui, je pense, et qui sont basées sur les technologies, entre autres de Ledger, et qui sont justement, à mon sens, les plus avancées au monde et de mesure à pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Voilà, quelques mots pour vous présenter donc, ces nouveaux services. Il y a un élément également nouveau qui accompagne cette panoplie de services et que Manuel ce soir vous présentera, c'est que on ne veut pas être un acteur qui vous permet juste d'acheter et de vendre en vous listant une liste de tokens. On en a 250, voire même un peu plus au comptoir. Bientôt, on aura d'autres ICO. Bientôt, on aura des produits financiers. On va vous proposer des fonds indiciels ou des trusts en anglais en crypto. C'est intéressant, mais on ne veut pas le faire en vous listant à la Prévert une liste et en vous laissant vous débrouiller. C'est ce que certaines plateformes proposent. Elles le font pour des investisseurs professionnels qui sont experts. Nous, notre objectif est de démocratiser quelque chose qui nous semble être une révolution, qui est la tokenisation des marchés financiers. Et là, je me permets juste de plagier les mots de Robert Ophel, qui est le président de l'AMF. Sur ces sujets, il nous semble important d'apporter une clarification, pardon, et une vision la plus objective possible. Nous avons créé une équipe en interne constituée de 4 personnes qui ont pour objectif d'analyser les technologies actuelles, futures, toutes les évolutions autour du Lightning Network, autour de toutes les autres technologies qui impactent en fait la blockchain, et bien sûr de noter et de vous aider dans votre évaluation des cryptoactifs. Ce soir, Manuel vous donnera notre vision, notre liste préférée des cryptos, qui sont essentiellement aujourd'hui des crypto-monnaies que vous connaissez, à commencer par le Bitcoin et l'Ether. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais vous verrez par exemple dans cette liste, et je pense que vous aurez éventuellement quelques discussions avec lui ou avec son équipe, parmi lesquelles vous retrouverez David, Marc Zeller, qui ne peut pas être là ce soir, ainsi que Léa, ils sont donc 4, des gens qui sont de la communauté crypto.fr à la base et que nous avons recrutés. Vous verrez avec eux que, par exemple, le Ripple n'y est pas. Donc, vous pourrez discuter et avoir on va pas aller jusqu'au scam, loin de là. Il y en a d'autres sur lesquels, mais tout ça c'est pour vous dire, on ne sommes pas des gourous et mais on est capable de vous expliquer pourquoi on pense, tout comme on le fait avec des ICO, où quand on reçoit des projets d'ICO, on en a reçu plus de 100, on en a proposé jusqu'à présent très peu.
on voit des projets qui aujourd'hui ne sont pas encore assez matures. En revanche, ce que l'on voit, c'est l'armée qui est derrière. Et l'armée, c'est des sociétés du CAC 40, peut-être l'État, des startups établies qui ont levé déjà des dizaines de millions d'euros, qui arrivent avec des projets. Et ça, ce sera unique, vous ne le trouverez pas sur les autres plateformes, et on le proposera à partir du moment où l'équipe l'aura validé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite laisser maintenant la parole à M. Perso pour quelques mots peut-être, et ensuite répondre à, peut-être à quelques questions. Avec grand plaisir. On va peut-être ouvrir un petit peu la porte de façon à laisser un peu d'air. En fonction de... En tout cas, un maître Bacca. C'est vrai, bon, bien, merci en tout cas, merci à tous. S'il vous plaît. Je me présente à nouveau, Pierre Persson, je suis député pas très loin, à la fois à l'Assemblée nationale et en circonscription dans le 11e. Je suis notamment donc, en fait, rapporteur sur la mission crypto-monnaie, qu'on intitulera peut-être plutôt crypto-actif, mais ça c'est tout un des enjeux de qualification juridique avec M. Wirt. Non, je suis très content déjà d'être là ce soir parce que, vous êtes un des acteurs fondamentaux sur aujourd'hui la place parisienne et la place française, c'est important. Deux, en fait, vous faites à peu près le même job que moi actuellement, en tout cas dans votre MU, c'est-à-dire que vous essayez de faire de la pédagogie sur le sujet. Moi, quand je me suis saisi du sujet, c'était aussi parce que je pense qu'il fallait démystifier une partie de la chose. On va apporter des réponses, on va essayer de travailler en effet à des angles et des pistes de réflexion pour une future régulation, que ce soit pas une régulation trop fermée, mais une régulation qui soit synonyme de confiance. Mais le premier objet en fait de notre travail, c'était quand même à travers nos éditions, eh bien, de présenter et de faire aussi la place à de nombreux acteurs et à des visages que je vois aujourd'hui ici ce soir et que je suis très content de retrouver. En quelques mots, avant d'avoir une députée, j'avais une autre vie et je me suis intéressé dès 2014 au Bitcoin, mais pas simplement, à l'Ether. J'ai investi assez tôt dans ma première ICO et donc ce qui m'a ouvert en fait le champ de la chose. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée, je me suis dit bon, il faut se saisir du sujet. À l'Assemblée, on a deux choses. On a la mission blockchain que vous connaissez parce qu'elle est portée par Madame de la Rodière, qui est quand même une spécialiste une technophile, qui est une spécialiste quand même du digital. Et puis, il y a notre mission qui est portée par la Commission des Finances, qui est sur les cryptoactifs. Alors, si on a dissocié les deux, c'est parce que déjà, il y a deux commissions. Il y a la Commission à la fois des lois, puis la Commission des Finances et la Commission ECO. Et on a souhaité surtout que la commission qui traite la question des cryptoactifs soit un rapport sur le court terme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des enjeux parce que c'est structurant, les cryptoactifs sont structurants à la fois dans l'écosystème. Il faut qu'il y ait un rendu qui soit assez rapide, avec notamment un volet fiscal qui est prégnant et qui doit permettre aujourd'hui à l'écosystème de se développer dans de bonnes conditions et que la France reste une place attractive pour à la fois des gens qui sont déjà sur le sol français et qui souhaitent développer leur business et puis d'autres qui souhaiteraient aujourd'hui trouver en la France eh bien, un territoire d'accueil à la fois économique, en termes de stabilité politique et puis en stabilité fiscale. Ça fait à peu près maintenant 3 mois qu'on auditionne à peu près tous les acteurs de l'écosystème. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a vu à la fois des acteurs économiques, donc des startups qui ont lancé leur ICO, des non-startups. Quand j'ai reçu Ledger, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui Ledger est une startup. En tout cas, c'est une belle startup qui a réussi et je lui souhaite encore le meilleur. On a vu des acteurs institutionnels qui sont parfois un peu plus frileux, et c'est parfois leur rôle aussi, la Banque de France, tu les as cités, l'ESMA, l'AMF. Je pense que la CPR, on se retrouve parfois sur certains sujets, parfois un peu moins, il y a eu des débats et je pense qu'il faut... Ils évoluent. Oui, ils évoluent. Mais vraiment, parce que par exemple, moi je suis assez confiant sur le rôle de l'AMF. C'est-à-dire que j'ai retrouvé notamment dans les conférences des gens qui travaillaient pour l'AMF, qui étaient là à la fois parce qu'ils appréciaient le sujet et puis parce qu'ils avaient une vision plutôt positive en fait de la chose. Donc il ne faut pas... Pas d'un côté dire, bon, il y a les institutions, et puis elles seraient là pour réglementer, puis elles ont une vision très négative. Non, je pense que, bon, bah, l'État, ces institutions, les autorités administratives indépendantes, elles évoluent aussi avec le législateur. Je pense que c'est une bonne chose. Depuis 2017, je pense qu'on n'a jamais eu autant de technophiles au sein de l'Assemblée nationale. On a une nouvelle génération, quand même, qui s'intéresse pleinement à ces sujets. Moi, je vais rendre mon rapport au mois de juillet. Ce midi, entre midi et deux, je travaillais avec Eric Wirth pour voir si on avait des pistes convergentes, des pistes divergentes, pour voir si on allait atterrir sur les mêmes préconisations.
on est en train de réfléchir à un plan. Moi, je souhaite que dans nos préconisations, on ait à la fois un volet fiscal qui permette une stabilité pour que la doctrine fiscale soit figée, pour que à la fois le petit investisseur qui doit déclarer sa plus-value lorsqu'il sort de son crypto-actif de la plateforme vers son compte bancaire n'ait pas de problème, ou en tout cas soit plus serein sur à quelle sauce il va être mangé. Et puis surtout, parce que je pense que c'est quand même un des grands enjeux dans la séquence qui s'ouvre, dans un système qui va aujourd'hui s'ouvrir et qui va encore profiter de plus en plus de l'effet d'entraînement, de la financiarisation quand même du secteur, eh bien qu'on soit une place attractive pour les personnes qui entreprennent. Moi, ça me désole toujours quand j'ai à la fois des entrepreneurs qui me disent mon compte bancaire a été fermé parce que, alors même que je fais un travail simplement de conseil autour de la blockchain, la banque m'a dit bah non, en fait, ça va pas être possible. Ça me fait toujours, c'est toujours de la peine. Et puis par ailleurs, ça me fait aussi de la peine quand on me dit j'ai investi en 2013-2014 dans les crypto-actifs, ça vaut aujourd'hui une petite fortune, je souhaiterais réinvestir cet argent au sein d'une personne morale pour lancer mon propre business et je suis obligé de partir au Portugal ou ailleurs parce que on va m'en prendre 50 ou 60% rien qu'en transférant le capital dans la personne morale. Donc voilà, je pense que le législateur est pleinement conscient des enjeux. On va donc soumettre au sein de la loi Pacte un premier dispositif qui est la labellisation de l'AMF. Je pense que c'est une première en France et à l'international de dire bon, on est dans un rôle incitatif. Moi, je pense aussi que le rôle du législateur, il ne doit pas être omniprésent partout, par la norme, par la loi. Il faut aussi que nos autorités administratives aient des moyens, qui soient des moyens un peu dérivés de soft law pour labelliser, pour redonner un peu de la confiance à l'écosystème sans dire bon, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Il faut laisser une forme de souplesse parce qu'on ne sait pas, même à 2 ans, quel sera en fait le visage et le paysage de l'écosystème. Moi, particulièrement, quand on en discute parfois avec certains acteurs, je ne suis pas fondamentalement persuadé que le modèle des ICO tel qu'il est et qu'il existe aujourd'hui, ça sera le même demain. Parce qu'il y a une question à la fois notamment de marché secondaire, de transparence. On se voit aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus d'amorçage pour faire sa propre ICO. Et en fait, l'ICO qui était un moyen de désintermédier et puis de décentraliser la possibilité de financer l'économie, d'une part, on finance très souvent en fait que le secteur de la blockchain, et puis par ailleurs, on a besoin aujourd'hui de plus en plus d'argent pour faire son ICO, donc il y a une forme d'inaccessibilité qui est en train d'arriver sur la question de l'ICO. Donc il faut réfléchir à l'écosystème. Je pense que le rôle du législateur, c'est aussi de donner un grand cadre, une vision, de ne pas restreindre. Il faut à la fois un peu de normes, parce que, comme Macron l'a toujours dit, un monde sans normes, c'est le Far West, et en fait, ça ne profite pas à l'écosystème pour se développer. Mais alors, trop de normes, c'est la garantie qu'on va dans le mur et qu'on ne sera pas au rendez-vous de l'écosystème, des ambitions qui sont portées. Moi, je crois profondément, pas simplement aux crypto-actifs, mais je crois profondément à la blockchain. Je pense que c'est deux choses, c'est la décentralisation, et c'est bien, ça redonne du pouvoir à l'individu. C'est aussi la possibilité de disrupter de nouveaux modèles, parce que il faut quand même le dire, sur la place d'Internet, on a perdu quand même pas mal de combats, donc ça permettra peut-être de réinitialiser et d'être précurseur sur ce sujet si on s'en saisit au bon moment. Et puis, ça, donc j'ai dit des intermédiaires, puis ça permet de décentraliser. Et donc ces deux vecteurs font qu'à mon sens, à la fois d'un point de vue démocratique, d'un point de vue économique, on a moins de friction, on a plus de pouvoir pour l'individu, et je pense que c'est une très bonne chose et on est à l'aube d'une nouvelle ère. Voilà. Donc en tout cas, le message que je voulais vous faire passer, c'était que le législateur était très ouvert sur la question, que notre majorité l'était tout autant, et même d'autres majorités, puisque voilà, je ne veux pas jouer pour ma paroisse, mais Eric Woerth est plutôt d'ailleurs assez ouvert sur le sujet, même si il dit à chaque fois c'est le rapporteur qui travaille, c'est le rapporteur qui comprend, mais je pense que c'est quelque chose qui est partagé aujourd'hui par le monde politique. Voilà. On l'avait ressenti également en discutant avec Jean-Pierre Landau et ouais, avec la direction générale du Trésor. Non, mais j'ai discuté avec Landau longtemps et en plus c'est quelqu'un qui a une vision. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, il a son prisme. Je pense qu'on aura des points de divergence sur certains endroits. Mais il a en tout cas une vision assez intéressante, en tout cas de là où l'écosystème. C'est-à-dire que c'est toujours peur, moi, des gens qui s'arrêtent et qui regardent un instant T en disant bon, voilà, c'est figé, c'est comme ça, et donc il y a tel risque, il y a telle opportunité, sans pouvoir se dire bon, en fait, dans 5-10 ans, ce système, il permettra ça. Et donc, en fait, le rôle du législateur, c'est juste de mettre la première couche qui permet au système d'anticiper. Et
C'est toute la question, par exemple, des VTC des taxis. Hein. Si on avait suivi en 2007 le rapport Attali, on n'en serait pas encore en 2017 à se poser la question en fait, des VTC et de se dire, bon, alors, est-ce qu'il leur faut une carte au 31 décembre ou pas? Est-ce qu'on indemnise ou pas? Enfin bref, ça fait 10 ans qu'on le voyait venir et on ne l'a toujours pas pris. On le prend en pleine gueule et on est obligé de réagir a posteriori. Donc le but aujourd'hui du législateur, c'est quand même d'être a priori plutôt dans l'action et dans la... Dans l'anticipation. Bravo. Ouais, on va parler un petit peu technique. On a ouvert. Je remets juste un. Avant de commencer, je voudrais vraiment souligner à quel point nous avons de la chance d'avoir des représentants comme monsieur Persson qui comprend parfaitement les enjeux sur lesquels on est en train de discuter et qui a vraiment une approche qui est absolument positive sur ce genre de point. Alors je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je vais vous prendre une dizaine de minutes avant que vous mouriez de chaleur ou de soif, c'est selon. Et Nicolas m'a demandé juste de vous présenter un tout petit peu le département recherche de CoinHouse, nos activités, ainsi qu'un petit panorama du monde des crypto-monnaies et des crypto-actifs à l'heure actuelle. Donc, très brièvement, aujourd'hui, le département recherche de CoinHouse, c'est 4 personnes, dont moi. Vous voyez, on a différents analystes, des gens qui sont spécialisés sur les SEO, des gens qui sont spécialisés sur la technique, et des gens qui sont spécialisés un peu sur l'étude financière de ces produits. Et donc, avec cette équipe, on va être capable d'analyser les SEO en effectuant tout un process où on va d'abord recevoir le projet, commencer à faire une pré-étude dessus, pouvoir lancer une analyse sur le contenu du projet, sur son sérieux, sur la façon dont on croit qu'il va pouvoir aboutir ou pas. Ensuite, on va pouvoir établir un rapport sur chaque SEO qui va déterminer vraiment le choix final qu'on va effectuer sur la façon dont on va travailler ou pas avec cet SEO. Et enfin, on va pouvoir commencer à vendre ce produit dans nos locaux pour pouvoir vraiment accompagner les gens qui souhaitent investir dans ces nouveaux produits pour pouvoir les aider au mieux à y accéder. Mais le département recherche ne fait pas que les études d'ICO, il étudie également le monde des cryptoactifs qui existe d'ores et déjà. Alors, moi ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est un tout petit panorama des différents types de cryptoactifs qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et pour chacun de ces types, j'ai choisi un exemple qui nous semble intéressant, qui nous semble porteur, et dans lequel on se dit qu'il y a potentiellement de l'avenir. Alors, les tout premiers cryptoactifs qu'on connaît, c'est évidemment les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont cette particularité qu'elles utilisent déjà leur propre blockchain. Donc c'est les premiers crypto-actifs à avoir été créés, bien entendu avec le Bitcoin et puis ensuite le Litecoin. L'idée, c'est de créer des réserves de valeur. C'est des crypto-actifs qui ne représentent qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de sous-jacent derrière un Bitcoin. Un Bitcoin, ça ne représente que sa propre valeur. Et cette valeur, elle est établie juste sur l'offre et la demande. Donc, c'est vraiment le concept de crypto-monnaie, c'est vraiment ces crypto-actifs qui n'ont aucun sous-jacent, qui ont leur propre valeur déterminée par l'offre et la demande. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous décrire ce que c'est que le Bitcoin ou ce que c'est que le Litecoin, donc je vais passer directement à la catégorie suivante. On trouve aujourd'hui une catégorie ultra intéressante qui s'appelle les stablecoins. Alors, un stablecoin, c'est une valeur de crypto-actif qui est indexée sur une monnaie fiduciaire classique. L'idée est de dire, vous avez un crypto-actif dont la valeur vaut par exemple 1 dollar. Et cette valeur ne change pas. Alors pourquoi on a besoin de ça? Notamment dans le monde des smart contracts, on va avoir besoin de pouvoir effectuer des paiements. Et si on veut effectuer par exemple un paiement d'une assurance, on ne veut pas que le paiement il soit dépendant de la valeur de l'Ether ou autre chose. On a besoin, pour que cette industrie notamment puisse se développer, de crypto-actifs qui ont une valeur stable et une valeur indexée sur par exemple le dollar ou l'euro. Ce sont des outils qui sont beaucoup utilisés pour faire du hedging, notamment sur les plateformes de change en ligne, et qui permettent d'avoir une accélération des transactions qui sont effectuées et de réduire les risques là-dessus. Souvent, c'est des actifs qui vont être liés à une place de marché unique, même si on en trouve que certains qui sont indépendants. Et souvent, c'est les places de marché elles-mêmes qui vont créer leur propre stablecoin pour pouvoir assurer une liquidité et pouvoir faire des transactions sur des crypto-monnaies existantes sur ces plateformes. On trouve un index des stablecoins que vous trouvez à cette adresse-là. Parmi les exemples, on obtient Tether, TrueUSD et MakerDAO. Alors, l'une des plus intéressantes sur ce modèle-là, c'est le TrueUSD. Et on parle tout le temps. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas listé le Tether parce que justement, on n'a pas trop confiance en ce moment en leur modèle. Donc le modèle, c'est simple. C'est un modèle où on va pouvoir échanger un TrueUSD contre 1 dollar US.
Et il y a une garantie que, bien entendu, on aura la possibilité de toujours pouvoir échanger le dollar US contre le True USD. Il y a une transparence dans ce cryptoactif qui n'existe absolument pas dans l'Ether, dans le Tether. L'idée, c'est qu'ils ont des audits réguliers où on va pouvoir vérifier qu'ils ont effectivement les dollars en réserve qui correspondent aux tokens qui sont émis. Ils sont gérés par Trust Token, qui est une société complètement indépendante des places de marché, ce qui là aussi lui assure de la stabilité et de la transparence par rapport aux tokens qui sont, eux, générés par les salles de marché. Et ici, le market cap et le volume journalier. Autre catégorie, les plateformes de smart contract. Ça, c'est vraiment aujourd'hui le type de cryptoactif qui se développe le plus. Vous voyez, je vous ai mis quelques exemples ici, Ethereum, EOS, Cardano, Neo, Tezos ou Quantum. L'idée, c'est toujours la même, c'est toujours de proposer des cryptoactifs sur lesquels on va pouvoir faire des transactions complexes, des transactions avec des conditions, donc des smart contracts. Des conditions qui vont être plus ou moins complexes, basées sur des langages informatiques qui vont nous permettre de créer donc, ces smart contracts basés sur des programmes. C'est un écosystème riche qui va permettre de pouvoir faire énormément de choses, énormément de sujets, de pouvoir adresser énormément d'industries. Et c'est un écosystème où, bien évidemment, Ethereum règne en maître. Aujourd'hui, vous avez 95%, si ce n'est plus, de tout ce qui est les plateformes de smart contracts qui sont basées sur de l'Ethereum. Mais il n'y a pas que ça. Et rappelez-vous, je vous ai listé cela. Et il se pourrait qu'un jour, une autre de ces plateformes puisse détrôner Ethereum parce qu'elle est plus facile à utiliser, parce que le langage de programmation est plus adapté, parce qu'elle permet de faire des smart contracts plus intéressants. Certaines d'entre eux vont être centralisées, telles que Neo ou EOS. Certaines sont décentralisées, comme ETH. Certaines sont centralisées sur la sécurité, telles que Tezos ou Quantum. Focus juste sur l'écosystème Ethereum, tellement il est riche. Juste quelques descriptions. Une des choses principales que permet de faire Ethereum, c'est la création de dApps. Donc les dApps sont les Decentralized Applications. Là, on aboutit vraiment au mieux que ce que peut faire la blockchain. C'est-à-dire à avoir des plateformes où on aura des applications qui fonctionnent directement sur la blockchain elle-même. Donc on n'a plus besoin de sites web, de choses comme ça qui sont potentiellement mal protégées. Le smart contract lui-même est capable de générer des connexions et de pouvoir répondre aux requêtes des clients. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable et qui peut être appliqué dans tout un tas de domaines, comme l'arbitrage, la gouvernance, vous avez tout un tas de projets qui fonctionnent autour de ça. J'en ai listé quelques-uns, vous avez Maker, Kleros, Omisego, Aragon ou BTU. BTU qui est notamment un des tokens que nous vendons ici à CoinHouse. On a souvent des utility tokens sur ces dApps utilisés pour payer des services à travers ces applications décentralisées. Et on peut aussi citer le cas des DAO, qui sont vraiment des sortes d'entreprises gérées intégralement à travers une blockchain. Alors, un focus sur le token qui s'appelle Maker, qui est à la fois une dApp et un stablecoin, puisque ils sont à l'origine de la création d'un token, d'un stablecoin qui s'appelle DAI. Le DAI qui, lui, n'est pas indexé sur le dollar US, mais qui est indexé sur l'Ethereum. Donc, à travers la plateforme Maker, je vais être capable de déposer en réserve des Ethers et de recevoir en échange des DAI. Et avec ces DAI, je vais pouvoir effectuer des paiements qui vont être basés et qui vont avoir un cours unique et qui présentent une alternative extrêmement intéressante aux stablecoins qui sont basés, par exemple, sur le dollar. On a un taux d'intérêt directeur qui est généré par la plateforme elle-même et qui va pouvoir permettre de conserver à cette crypto-monnaie un taux absolument stable. Autre catégorie, les token dApps. Donc ce sont des tokens qui vont fonctionner eux-mêmes à l'intérieur d'une application décentralisée et qui vont pouvoir permettre d'utiliser certains services. Là, on est vraiment au cœur de la technologie blockchain puisque là, on est complètement intégré à tout le système de sécurité décentralisé qu'elle permet d'obtenir. En général, ça va être des tokens qui sont bien entendu liés au succès et à l'utilisation de la dApp en question. Des exemples, vous avez Decentraland, Dether et Augur. Juste faire un tout petit focus sur Decentraland parce que c'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'il est complètement hors de tout ce qu'on voit habituellement puisque c'est un projet qui concerne un jeu vidéo immobilier. Alors, vous connaissez peut-être Second Life sur lequel vous pouvez avoir une vie virtuelle et vous promener dans un univers en 3D. L'idée, c'est vraiment également de créer un jeu vidéo immobilier dans lequel les gens vont pouvoir acheter des terrains dans une sorte de pays virtuel. Et ces terrains sont bien entendu achetés avec le token qui est géré par la plateforme. L'idée est bien entendu de pouvoir continuer à faire grossir cet écosystème et ce jeu en proposant ensuite une plateforme en 3D, de la réalité virtuelle, etc. et de faire grossir
de cette façon le projet. Autre catégorie, toutes les techniques qui concernent le cloud computing. Là, on a vraiment toute une catégorie intéressante, notamment avec des gens comme iExec, qui est français, ou comme Golem. L'idée, c'est toujours de pouvoir acheter, partager de la puissance de calcul, du stockage, ou de l'allocation de machines. Là, on est vraiment sur des applications qui sont directement concurrentes de services tels que AWS, où vous pouvez aller louer de la puissance de calcul et du stockage, et qui permettent du coup d'avoir une baisse des coûts extrêmement importante, puisqu'on est sur des plateformes complètement décentralisées. Un exemple de ce genre de plateforme, ça va être Golem, que vous connaissez déjà. Golem qui pour l'instant est encore dans un statut alpha, qui n'est pas encore en production. On a quand même une équipe qui est reconnue et qui est compétente et qui avance sur le projet. L'idée, c'est de pouvoir proposer des ressources de calcul, de la puissance de calcul distribuée, où vous aurez par exemple une université qui pourra louer tout un tas de machines que vous aurez chez vous et qui pourra vous régler directement en Golem. Imaginez les applications potentielles qui sont particulièrement intéressantes. Autre catégorie, les tokens de réputation ou de récompense. Ça aussi, c'est en train de se développer assez fortement. Je vais citer deux exemples comme Augure et comme Talao. Encore Talao, une société française intéressante qui est un de nos partenaires. L'idée, c'est de créer des tokens de réputation où vous aurez des gens qui vont pouvoir accroître une meilleure réputation et un sérieux au sein d'une communauté. L'idée, c'est que plus les gens vont participer à cet écosystème et plus ils vont pouvoir gagner en réputation et plus ils vont pouvoir gagner en token. Alors on a tout un tas de systèmes avec des systèmes d'oracle, de réputation et de récompense. Un exemple, c'est la plateforme Augure. Augure, c'est une plateforme de prédiction de marché. Donc vous avez des gens qui vont pouvoir parier sur l'avènement d'un événement ou un autre. Par exemple, un vote qui peut avoir lieu pour choisir un président, pour choisir n'importe quoi. Et en effectuant cette prédiction, les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui font des prédictions correctes, sont récompensés en obtenant des nouveaux tokens. Donc bien évidemment, tous les gens ont intérêt à avoir les meilleures prédictions possibles pour pouvoir générer de nouveaux tokens de cette façon-là. Ce genre de marché intéresse particulièrement le monde de l'assurance. Si on peut avoir des marchés, prédictifs, efficaces, qui sont capables de produire des événements futurs intéressants, évidemment, le marché des assureurs va être intéressé pour pouvoir prédire des événements et pouvoir gérer du risque. Encore une catégorie intéressante, ça va être la catégorie des tokens basés sur la vie privée. Vous avez des tokens tels que Monero, comme Zcash et comme Dash. L'idée, c'est de créer du cash numérique. C'est-à-dire, contrairement à une blockchain classique telle que Bitcoin, Ethereum ou autre, dans une blockchain de tokens privés, vous n'avez pas de lien entre chaque transaction. Donc vous ne pouvez pas suivre l'historique des transactions. Donc évidemment, ça présente tout un tas de risques. Et vous avez plusieurs pays qui ont commencé à interdire l'utilisation des tokens sur les plateformes de marché classiques, notamment le Japon. Focus sur le Monero, qui s'appelait donc en 2004, qui a été lancé en 2014 en tant que BitMonero, qui est une monnaie qui va utiliser des techniques cryptographique particulièrement avancé pour garantir la sécurité et la confidentialité de chaque transaction. Encore une fois, on ne pourra plus suivre l'historique de toutes les transactions sur une adresse donnée. On est complètement des transactions indépendantes. Malheureusement, du coup, on voit le Monero qui est de plus en plus utilisé sur les plateformes du dark web pour pouvoir processer des transactions illégales. On voit les plateformes financières. Alors, je vous ai quand même listé dans un petit coin le Ripple, mais on va pas faire le focus dessus, puisqu'on va s'intéresser un tout petit peu au Stellar. L'idée, c'est de proposer, notamment au système bancaire, de pouvoir les aider à faire des transactions interbancaires. Et donc de pouvoir remplacer le système actuel SWIFT, qui date quand même des années 70, qui est lent, qui a déjà été hacké à plusieurs reprises, et qui pose tout un tas de problèmes. La cible, c'est bien entendu les institutions financières et les banques, qui ont besoin de ce genre de produit pour vraiment arriver dans le 21e siècle pour pouvoir faire des transactions ultra rapides et ultra sécurisées. Donc, focus sur le Stellar. Donc, Stellar Lumens, c'est une de ces monnaies qui va pour permettre ce genre de transactions. C'est rapide, avec des frais faibles. Et contrairement à Ripple, qui est une entreprise, Stellar est une fondation. Donc, on n'a pas tout.
cet aspect de méfiance qu'on peut avoir auprès de Ripple. Et on a un système qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus décentralisé, dans la mesure où chacun peut devenir un nœud du réseau Stellar et pouvoir y participer, contrairement à Ripple qui est complètement centralisé sur l'entreprise en question. Et enfin, c'est la dernière catégorie, on a les ovnis. Les ovnis, c'est vraiment les cryptoactifs qui ne rentrent dans aucune catégorie et qui sont vraiment uniques par leur système de fonctionnement. On peut citer IOTA et on peut citer Steam. Alors, c'est des plateformes qui vont être complètement expérimentales, qui vont proposer des systèmes complètement différents de tout ce qu'on trouve par ailleurs, avec des caractéristiques intéressantes, mais également des prises de risques. Des prises de risques au point technologique, puisque la plupart du temps, ça va être des technologies qui vont être extrêmement complexes à implémenter, avec des vecteurs possibles d'attaque plus faciles que sur des cryptoactifs qu'on connaît déjà par le mieux. Donc c'est évidemment des investissements risqués dont la pérennité reste à établir. Donc, focus sur le IOTA qui lui est focalisé sur l'internet des objets. L'idée c'est que lorsque votre four parlera à votre micro-ondes pour pouvoir commander du Nutella, ça se fera peut-être à travers la blockchain IOTA. Et l'idée c'est que ça n'utilise pas du tout une blockchain. Ça va utiliser un système complètement différent qu'on appelle un Direct Acyclic Graph ou DAG. Il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de frais de transaction. Et l'ensemble du système est géré par des vérifications entre les différentes transactions qui ont déjà eu lieu. C'est géré par une fondation également, Fondation IOTA. Et IOTA présente au moins l'avantage d'avoir des partenariats assez intéressants avec tout l'ensemble des entreprises que vous avez ici et qui promeuvent l'utilisation de cette technologie. Et voilà, j'ai réussi à faire près de 10 minutes. Et du coup, je représente le média Bitcoin.fr et Bitcoin.fr ou Bitcoin n'est pas souvent représenté. On parle de l'écosystème des crypto-monnaies, mais Bitcoin, principalement en tant que monnaie, en tant qu'outil non censurable, comme Internet est, Bitcoin est. Comment, du coup, de façon législative et juridique, on approche cet ovni ? On approche le Bitcoin ? Oui. Parce qu'on ne peut rien y faire. On peut proposer des lois, on peut proposer... Ah bon, c'est, ouais, c'est sympa, c'est gentil. Du coup, voilà, c'était ma question. On peut faire que le surveiller, hein. Voilà, on peut pas faire autre chose. Bah, déjà, en effet, l'objet en tant que tel, c'est un objet décentralisé. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène d'extraterritorialité. C'est pas sur simplement un pays qui est concentré aujourd'hui le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est mondial. Et donc, les mécanismes de régulation qui étaient opérants dans tas de frontières, avec notamment des biens physiques, ben aujourd'hui, ils sont inopérants. Donc, il faut réinventer aussi les modèles de régulation de demain. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver un entre-deux. Je pense qu'il y a possibilité, en effet, de réguler pas simplement le Bitcoin, les crypto-actifs. Le Bitcoin. Non, mais à l'autre, on voit d'arnaques, de propositions de crypto-monnaies qui en fait sont des fraudes. Il faut trouver suffisamment de transparence pour que l'écosystème puisse bien se développer. Ouais. À la fois sur le marché secondaire, quand il y a des volumes de transactions qui sont un peu pipés, ou bien qu'il y a des ICO avec des pre-sales qui ne sont pas totalement, comment dirais-je, transparentes, ou bien même que vous avez parfois des formes de délits d'initiés. On a pu le voir dans certains cas lors des missions de... C'est juste cette partie-là qui va être surveillée. Le but, c'est plus d'être incitatif et non pas de limiter. D'accord. C'est en étant incitatif, ça permet peut-être par exemple à la France aujourd'hui d'avoir une plateforme qui soit aussi gros que Coinbase. Typiquement, si... C'est ça l'enjeu. Mais oui, parce que si vous voulez appliquer des règles qui sont des règles nationales, en fait, le meilleur moyen pour appliquer ces règles nationales, c'est d'avoir des structures françaises qui soient fortes. Ledger en est une, mais imaginons que Paymium se développe encore plus et qu'il arrive en termes de capitalisation et de transactions à être aussi gros que les géants américains. Je pense qu'on aura réussi une partie du travail, parce que les règles que vous pourrez imposer à Paymium ne sont pas les mêmes que vous pouvez imposer à une plateforme d'échange, de trading coréenne, chinoise. L'idée c'est d'avoir une meilleure approche. Bien sûr, mais c'est comme la question des GAFA. C'est-à-dire que aujourd'hui, les GAFA sont essentiellement américains. Il y a en effet des GAFA qui sont chinois. Mais on n'a pas de géants européens. Et la conception même de la liberté d'expression sur Twitter ou sur Facebook, qui est en fait une conception culturelle et politique, est libérale, elle est une conception en fait purement américaine. Donc ça sous-entend qu'on va amener plus de liberté
libéralisme en Europe. Si non, on moi je. Ces plateformes-là, il faut bien s'adapter. Au contraire, moi ce que je pense, c'est qu'on peut avoir une culture européenne. Ouais. Il faut d'ailleurs que les grands ensembles aient une culture commune. On ne peut pas d'ailleurs se satisfaire qu'il y ait des fiscalités divergentes au sein même d'une même union monétaire. Ah oui. Parce qu'en fait, ça fait un dumping et que ça profite en rien à l'écosystème européen. Donc il faut que l'Europe, en tant que grands ensembles aussi, et ses valeurs et ses lignes politiques, ses valeurs communes, puissent les défendre avec des gros acteurs sur le marché européen. Avec la fiscalité américaine, c'est un dumping. La taxe sur les sociétés, c'est vraiment veut baisser. Ouais. Pareil, mais c'est un tout. L'écosystème, c'est pas simplement que de la fiscalité. C'est pas un danger. Ah non, je crois d'accord. pas. Je crois pas. J'ai jamais cru. D'ailleurs, c'est pas. Pour la stabilité financière, pour. Non, pas pour la stabilité financière. Je pense pas non plus. Ouais. Je pense que. Il y a une grosse surveillance bancaire, il y a de la saisie des comptes. Ces moyens qu'avait l'État. Peut-être elle aura beaucoup moins. Ça, c'est pas un projet pour l'État. Non, et d'ailleurs, je pense que c'est même une opportunité pour l'État. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a la possibilité aussi d'avoir des blockchains d'État, d'avoir des crypto-actifs d'État. Aujourd'hui, quand je vous paye quelque chose avec ma carte bleue, si par exemple vous êtes un commerçant, en fait, c'est ma banque et votre banque qui vont communiquer entre vous. C'est pas la banque centrale. Il n'y a pas de passage de banque centrale. Et qu'en fait, l'émission de monnaie, c'est de la monnaie qui à la fois est numérique et c'est de la monnaie secondaire. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir de la monnaie qui est directement qui est produite par la banque centrale, c'est en fait le billet. Et qu'on se constate quoi ? C'est qu'en fait, dans notre consommation... Oui, mais dans notre consommation, il y a de moins en moins de gens qui utilisent en effet le liquide. Ouais, ouais. Dans les pays nordiques, il y en a de moins en moins. Et d'ailleurs, ils tendent même à le supprimer. Ouais. Si aujourd'hui, on veut que les banques centrales soient en ligne directe et que ce ne soient plus les banques commerciales qui interagissent et qui concentrent la concentration monétaire, eh bien, on peut imaginer que vous déteniez une partie de la fraction émise par la banque centrale. Alors ça, c'est intéressant sur le côté technologique, mais après, le côté Bitcoin, ça veut dire que ma transaction, elle est non censurable, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de faire un paiement. Bien sûr. Là, dans le cas d'un crypto-euro, on pourra toujours le faire. Après, il y a le politique derrière ça, il y a la philosophie politique aussi qui sous-tend sur le Bitcoin. Moi, je suis ni un libertarien, je pense qu'il faut des mécanismes de régulation, il faut aussi un État, il faut aussi des grands ensembles qui soient souverains. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire que, par exemple, pour 40% de la population mondiale qui n'a pas accès à un compte bancaire, qui n'a pas de droit bancaire en tant que tel, c'est aussi un outil. Ça permet, dans la crise chypriote, le développement du Bitcoin, c'est aussi la possibilité que les Chypriotes ont eu la possibilité en fait, d'utiliser cet outil pour sortir de la crise et sortir du blocage avec les banques commerciales. Ah oui, mais c'est le discours contraire avec la pression de la Banque Centrale Européenne qui a fait contrôle des capitaux. Oui, mais ça permet d'avoir un entre-deux. C'est-à-dire que vous avez aussi deux systèmes qui peuvent cohabiter ensemble. À mon avis, il n'y a pas un système qui prendra le dessus sur l'autre. Vous voyez, je pense que le Bitcoin a sa place. On verra quel est le format. Certains disent que c'est l'étalon des crypto-actifs. On verra comment tout ça évoluera. Franchement, pas en fait le discours quand on peut dire il y a un contrôle d'échange qui est mis par la Banque Centrale Européenne, c'est une décision politique. Et en même temps, politiquement, on peut dire heureusement qu'il y a une solution alternative qui permet d'outrepasser ce la contrôle d'échange. Alternative, moi, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit antinomique. Je pense pas qu'il y a blanc et noir. D'accord. Je pense que pour tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas de système monétaire fiable, stable, qui n'ont pas la possibilité, mais pas obligatoirement que de la Grèce. D'ailleurs, c'est quand vous avez 40% des habitants de cette planète qui n'ont pas de compte bancaire, en fait, c'est une opportunité parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un moyen de posséder en ligne directe en fait, votre argent. Parce que je fais une très grosse différence entre une blockchain privée centralisée et une blockchain publique décentralisée. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, quand on conçoit un outil du coup, qui serait un crypto-euro centralisé et censurable, et on va pouvoir comparer les deux. Moi, je sais que mon choix, il va s'orienter vers quelque chose qui n'est pas censurable. Oui, parce que c'est un choix politique. Bah, c'est oui, un choix politique. Qui voudrait moins de liberté ? Ouais, je sais pas, en fait. Comment, si, en fait, mais personne ne sait si, ouais. Finalement, le Bitcoin ou un autre cryptoactif sera hégémonique. C'est-à-dire que ça s'imposera à tous et tout le monde utilisera ça sans mécanisme de régulation, hormis le protocole qui sera fixé d'avance. Personne ne le sait. Et moi, c'est pas mon rôle. Ouais. Moi, je pense que il faut un entre-deux. C'est-à-dire que on peut tout à fait avoir des moyens de gouvernance qui soient fixés, qui soient dans un protocole.
je pense que... Ça sera pas Bitcoin. Mais pas obligatoirement. Je représente Bitcoin, c'est pour ça que... Oui, mais bien sûr, mais le Bitcoin, c'est pas, c'est un élément de l'écosystème. C'est ouais, pas, ouais. Voilà, d'accord. Il y a des détracteurs du Bitcoin, il y a des pro-Bitcoin, comme il y a des pro-Ethereum. Moi d'ailleurs, dans mes auditions, je n'ai pas souhaité me mettre sur un des crypto-actifs. Non. J'ai souhaité voir l'intégralité de l'écosystème. Ouais, parce qu'on ne sait pas quel protocole finalement gagnera. On ne sait pas quel protocole se déplacera. Oui, ou coexisteront ou pas. Je veux dire, il y a plus de 1000 crypto-actifs. Tous n'auront pas vocation à perdurer. D'accord. En plus, pour certains qui aujourd'hui ont été émis avec une vocation d'usage, on voit bien qu'en fait l'usage n'aboutira jamais, qu'en fait ils sont majoritairement des tokens securities qui n'auront pas vocation à être les tokens utilities qu'ils ont été, promus notamment par le white paper. Ça, donc on verra, on verra. De l'AMF, ça, de clarifier bien sûr. Quel type, parce que bien sûr, mais même fiscalement. Mais oui, c'est un gros enjeu parce que on pourrait penser qu'à l'émission on devra donner sa catégorie. Sur ça, je pense. Je ne suis pas persuadé, mais je pense qu'on est arrivé dans un moment entre 2016 et 2018 où il y a une petite surfinanciarisation du système, à comparer en fait à ce qui est en train de sortir en termes de services et d'usage. Voilà. Et on va arriver à un moment où tout ça va retrouver des proportions raisonnables. Et le but, c'est qu'on passe cette étape qui permette tous les modèles qui ont été précités par Manuel sur les apps, sur la DAO, sur les stablecoins. Toutes ces en fait crypto-actifs qui ont tous une utilité particulière, qui ont soit un service, soit un usage associé, bien que cet usage et service puisse être développé. D'ailleurs, je pense que c'est aussi salvateur pour l'écosystème de se dire, derrière toutes les promesses qui ont été faites dans un white paper, on puisse travailler sur de la R&D. D'ailleurs, tout c'est logique, c'est comment est-ce qu'on finance cette R&D. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une financiarisation du système. On l'a vu sur la bulle Internet. Ça a permis de faire émerger en fait, des projets en injectant beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut juste en être conscient qu'on est dans une période un peu transitoire, à mon sens, où il y a beaucoup d'argent dans le système et il n'y a pas beaucoup d'utilisation aujourd'hui en termes d'outils et d'usage de l'écosystème des cryptoactifs. Mais ça va venir. Ce sera le mot de la fin. C'est une très bonne fin. Merci. Merci à vous.